Bonsoir, écoutez, je fais une vidéo tard cet après-midi, samedi après-midi. Je devrais être déjà à ma soirée et je suis obligé de faire une vidéo. Si ça, les courses ne s'arrêtent pas. Hier, on a vécu une mauvaise journée au Mont-Saint-Michel. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais bon, le Mont-Saint-Michel, c'est pas un hippodrome vert. Enfin, voilà, c'est tout. Ça n'a jamais été un hippodrome vert. Il se passait des choses bizarres. À First, pareil. À First, alors, Robot Confiance sur tous ses chevaux qui se sont tous arrêtés. Il paraît qu'il y en a un qui a annoncé non, non, mon cheval n'est pas prêt. Il a gagné 500 mètres à 4 contre 1, ça chute. Non, non, alors les mecs, ils te disent ouais, allez-y, c'est bon, c'est sa course pour qu'on les joue. Et puis eux, ils jouent quelque chose d'autre. Hein. Ah non, 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 moi, je leur enlèverai la licence à tous. Hein. Ah, ils s'amusent. Hein. Quand un robot, chaque fois, il dit c'est sa course, il ne gagne jamais. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le remarque d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était la course DG aussi, encore. Oui, encore pareil, toujours léger. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta caméra là? C'est vrai que j'ai essayé de faire la vidéo en 5 minutes. Ce matin, j'ai mis le 4 en deuxième base, mais il n'y avait qu'une base, c'était le 6 aujourd'hui. Hein? Oui, j'ai mis le 4 en 2, mais là, en plus, moi, jeudi, j'avais une émotion. Jeudi, j'ai dit, c'est bon, Fred, tu vas enfin pouvoir faire ta bombe. Il y a la bombe atomique, hein, vous savez, le 2 plus avec les 3X, mais il y a la bombe supra-atomique. Je l'ai encore jamais fait, je ne crois pas. Peut-être que je l'avais fait un truc à 400 euros une fois, peut-être, quand j'avais beaucoup, beaucoup de silos, peut-être. Mais ce 1 plus. Là, avec 4 bas, parce que j'en avais peu à mettre dessous en plus, j'ai dit c'est bon, aujourd'hui c'est le jour. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai oublié le jeu. Mais Fred, il faisait très cher. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que ça soit cher? Il était sûr de toucher. J'ai des silos, moi. Hein, j'ai bien travaillé depuis le début de l'année. Hein, ça a commencé avec Flamme du Goutier, vous vous rappelez? Ben voilà, c'est parti après. J'ai pratiquement eu que des mois gagnants. Hein. Faut quand même le vivre. Alors pour vous, c'est une autoroute si vous vous abonnez. Hein. Eh oui, vous n'êtes pas perturbé par tous les autres abonnés qui vous écrivent les problèmes techniques, les tickets à moins de 50 euros que je gueule encore toutes les semaines. Oui, je l'ai répété, je l'ai écrit, mais ça rentre pas. Non, non, on m'envoie 4 ou 5 tickets, mais Fred, ça fait 50 euros en cumulé. Bon, les gens, ils n'ont pas compris que si je mets ça, j'en reçois 100 dans la seconde. Hein. Ah non, mais vous vivez tous égoïstement, vous pensez qu'à votre petite personne. Mais c'est ce que je vis dans la vie, hein, que ce soit ma famille, mes amis, hein, vous êtes pareil, hein. Il n'y en a pas un qui a une ouverture d'esprit extraordinaire là. Non, 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 non. On est des tout petits là, moi, je pense qu'à moi, les autres, j'en ai rien à foutre. Hein. Oui, j'envoie tous mes tickets là. Putain, c'est pas croyable ça. Donc vous, c'est une autoroute. Hier, j'ai proposé, j'ai dit, ouais, vous prenez un mois pour les nouveautés, comme ça vous pourrez travailler tout le mois d'août, je suis pas là, ça vous fera 2 mois. Pas un, rien, je sais pas pourquoi je fais les vidéos, ça sert à quoi? Vous avez pas envie? Non, non, mais pourquoi Fred, pourquoi tu veux chercher à ce que les gens gagnent des sous s'ils ont pas envie, eux, de gagner des sous? Tu vas pas les forcer, s'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Hein? Alors que je vous dis que c'est une autoroute. Hein? Faites des reports, vous coupiez, et à un moment donné, dans le mois, vous allez en toucher 3 ou 4 beaux. Hein? Des fois, j'en ai touché 10, 15 ou 20 dans un mois, c'est arrivé aussi. Voilà. Après, il faut que les chevaux soient bien drivés, qu'il y ait des bonnes ondes, hein? Parce que vous avez vu, un mec qui a fait une montagne sur. Johan Le Bourgeois, hier, il a tout détruit. Hein. Chaque fois qu'il prenait l'avantage à ligne droite, il s'est enlevé. Ah ouais, ben là tu dis, il y a un mec qui lui a sauté la bonne journée, il a dû arriver sur l'hippodrome, il doit être chez lui là-bas. Oh salut Johan, oh je te souhaite une très bonne journée, tous ces chepouns qui te parlent là, qui t'envoient les mauvaises ondes, et lui, tous ses chevaux ils sont en l'air. À un moment donné, il faut quand même savoir que tout se passe sur les ondes. Hein. Voilà. Donc ce matin, j'ai mis le 4, mais moi le 4, je rigolais, le 4 il a gagné quoi? Le 4 il a gagné à Enghien, à Marseille. Il a gagné à Marseille. J'ai dit, c'est bon, c'était quand même une base. Il avait 2 sur 2 en gain, donc c'était bon quand même. Donc moi, je regarde la course, 300 mètres. Qu'est-ce que je vois? Le 4, il fait des extérieurs. Bon, j'ai compris, hein, Romain Derieux avait joué Everton, parce que tout le monde savait qu'Everton allait prendre d'entrée la tête et avait gagné de 500 mètres d'avance. Hein. C'est un peu comme Farandole du Palba. D'ailleurs, les deux ont cumulé, c'est 6 dailles d'affilée. Hein. Et les pronostiqueurs continuent à mettre Everton en 4, en 5, en 3, en 2. Everton, tu le mets premier ou tu le mets nulle part. Donc tu vois, des mecs, tous ces pronostiqueurs, c'est pas des joueurs. Ils ont toujours rien compris aux courses. Je vous donne l'exemple déjà, la démonstration. Je vous fais la démonstration depuis mercredi. Il faut écouter personne. Fred, il faut t'écouter toi. Ben oui, si vous voulez être bénéficiaire, parce qu'on a été peu nombreux à faire des années bénéficiaires. Hein, ça existe peu, ça. Donc j'en fais partie, je joue avec vous, moi. Hein, je participe. C'est magnifique, mais ça n'intéresse personne, évidemment. Donc ce matin, j'ai mis le 4 là, alors que le 4, je l'avais mis là. Ah oui, au bout de 300 mètres, tu vois Derieux. Qui est donné au vin, il dit qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben il a joué Everton. Donc j'ai coupé la télé, oui, vous savez que je suis à la chaîne 78, je vais toujours sur l'équipe, moi, je calcule, ah, on doit être 500 mètres là, je vois Everton en tête, je dis bon, il fait un canter, et là, très, oh là là, je dis comment ça va se passer, quoi. Eh oui, comment ça va se passer? Dès que je les vois donner au vin au bout de 300 mètres, je sais qu'ils vont terminer 4e, 5e ou 6e. D'ailleurs, si Erasme Williams ne s'était pas enlevé, il aurait terminé 5e. Voilà.
Et demain, après la course, je me suis dit, mais Fred, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais t'as oublié ton jeu? Fred, tu parles après? Non. Et le jeu, je l'avais écrit sur la feuille des partants, je la retrouve plus. Je sais pas si je l'ai pas foutu à la poubelle hier. Oui, je retrouve plus cette feuille. Il y avait le jeu, marqué 840 €. Ben, le 6 avec les 8. Mais Fred, on le fait jamais ça. Ben oui, je l'ai jamais fait non plus. Mais c'était le jour, hein. Ben oui, ben, parce que les Burton, tu vois, regardez les mecs, ils veulent pas vous faire gagner quand même. Regardez le turf. Mais c'est à mourir de rire, ça, il te le met encore 3ème. Voilà, tu vois. Il te dit pas qu'il est déféré des 4. C'est le seul argument à mettre sur les Burton, il te le met pas. Donc ça, c'est des ondes positives, tu vois. Il te le met pas, donc base. Gustafsson, il le met en 9ème. Meilleur numéro des Lost Total avec le 11 et le 9. Hein. Et toute votre vie, vous entendrez sur Equidia que les numéros 9, 10, 11, c'est les mauvais numéros. Alors que c'est les meilleurs numéros. Mais je l'ai déjà écrit 100 fois, ça. Sauf qu'il y en a un aujourd'hui, il avait retenu. Il m'a encourblé quand même. Où t'as vu le numéro 12, 13 et 4, 15 à l'arrivée à Anguin? Ça arrive pratiquement jamais, hein. Oh là là, j'étais confiant sur ce jeu. En plus d'Imaggio, je me suis dit avec le 1 cette fois, il va se mettre à la corde, il ne faudra pas de mettre en plus. Et ouais, il a tellement peur de mettre qu'il est venu me casser la baraque. Fred, calme-toi. Oui, j'ai fait 6x4 plusieurs fois. Bon, mais au bout de 300 mètres, quand j'avais donné au vent, j'ai mis mon ticket à la poubelle. Hein. C'est terminé, hein. Mais parce qu'il se met donné au vent comme Julien Dubois, on se rappelle, avec l'autre là aussi. Ah ouais, dans un quinté, tes grands favoris, c'est Bendé au vent. Comme ça, ça veut dire qu'ils ont joué un autre cheval. Ils protègent, en se mettant à deux, ils protègent l'autre cheval qu'ils ont joué. Ils ont tout compris, eux. Ouais, 6, 4, 6, ça bombe atomique. DiMaggio vient tout me crucifier. C'est envolé vivement les vacances. J'ai pas compris le rapport du quinté. 300 €. Donc moi, je l'ai 6 fois, une fois et demie, donc ça fait 450. Plus tes bonus, j'ai touché 613 €. Ouais, un rapport de fou. Hein. Incroyable. Mais le vrai jeu, c'était ça, ouais. Je devais le faire. Oui, j'ai complètement oublié. Entre la personne que j'étais jeudi, les 3 cigares que... Parce que j'étais énervé hier. Hein. Ouh là là, les cigares, les chevaux, une hécatombe chez les favoris. J'étais pas bien hier soir. Hein. J'ai pas trop bien dormi. Je suis allé quand même courir cet après-midi en début de journée. Oui, en plein soleil, 50 degrés. Ouais. Les gens, ils se disent, mais vous êtes pas fous? Si, si, mais je suis fou, moi. Je suis allé courir avant le quintet pour avoir les bonnes ondes. Et j'ai pas assez couru, hein. Eh oui, voilà, j'ai sorti ma bombe atomique. Et évidemment, quand je mets de base, vous allez le savoir, X en 2, hein. Ben oui. Oh là là, en plus si le 3 il est à l'arrivée, le quinté il faisait plus, il a fait 22 000, j'ai raté 5 500. Parce que là j'ai marqué 6 000 €, hein. Je suis malade, oui je voulais le tenter une fois dans ma vie, je m'en fous, je mettais un silo pour mes vacances et puis tant pis, voilà quoi. Je mettais... En plus 847, c'est énorme non, c'est 5 000 balles, hein. Ah ben il y en a qui les mettaient les 5 000 balles, hein. C'est 10 pascal, c'est tout. Hein. Ah oui, 847 €, on croit que c'est 8 400 francs, non, c'est que 5 000 balles. Hein. Ouais. 5 000 balles, tu l'avais le jeu. En plus, je pense que même si hier j'étais passé, j'avais fait des gros gains, en plus j'ai touché le quartier, hein. Donc j'avais moins à retirer. D'ailleurs, ce quartier régional, je ne vais pas vous le montrer, mais j'aurais pu l'avoir deux fois. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en flexi, champ complet, alors que si j'avais enlevé les deux interdits dont j'avais parlé juste avant, le jeu me coûtait pratiquement pareil, en fait 30 € de plus, je l'avais deux fois, quoi. J'avais déjà gagné 350 €, il me restait plus que 500 € à mettre sur ce jeu. Je voulais le tenter aujourd'hui, il t'arrive rien, même si tu as les bonus, tu récupères. Ben oui, à part si le 6 s'enlève. Mais je crains plus là. Regardez, Farandoli Balba, Everton, il était redéféré, il était allégé aujourd'hui, c'était le jour J pour faire ce jeu-là. Ben non, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Je me demande, même si hier j'avais gagné 1 500 €, j'aurais pensé. Je crois que j'ai oublié. Mon cerveau s'est éteint parce que je rêve de faire ce jeu. J'ai toujours rêvé de faire ce jeu. C'était une occasion incroyable. Il n'y en avait pas beaucoup à mettre aujourd'hui. Et encore, j'ai mis le 11 alors que lui restait plein d'odai. Bon, c'est compliqué pour lui. D'ailleurs, le turf l'a mis très loin. On aurait pu élaguer, non, mais 12 et 13 pour bac, écrasé d'argent. Hein. Depuis qu'il a gagné 500 mètres à Graines, on avait touché des reports. Le cheval, il est rasé. Et son entraîneur dit, oui, il est bon. Non, il est rasé, il est fini, ce cheval, depuis longtemps. Oh là là. J'ai raté 6 000 €. Non, t'as pas raté 6 000 €, parce qu'avec 4X, ça fait 24 désordres. Donc, tu l'as en garde mise. Hein. Il a 6 fois, il a fait 300, ça faisait 1008 plus 5005. Mon Dieu, c'était un coup avec les bonus, hein. 8 ou 10 silos. Je suis malade, là, j'avais terminé mon lingot d'or. J'ai raté le quintet d'alent pour 6 inversions, un truc de fou. Mercredi, je vois encore les gagnants. Hein. J'ai mis Farandoli Palba en tête. Aujourd'hui, je mets Everton, je vous donne les gagnants, je vous aide. Hein. Je sais même pas si je suis pas le seul en France à avoir mis les deux gagnants hein, de Vichy et d'aujourd'hui en tête. Hein. Alors que le turf te le mette 5e, 6e, alors que c'est des chevaux qui vont devant en plus. Ils se trompent tous, c'est ça qui est fabuleux, ils se trompent. Bon, 613 €, allez, continue. Je rentre du lac, et oui, c'est pour ça que je fais la vidéo, là. Deux beaux tickets gagnants, ça fait plaisir.
2, c'est pas 2 UX, hein, c'est plusieurs. 2 fois la qualité des autres pour Michel. Eh ben oui, des 2 bases, 4, 6. Et toi aussi, encore Michel. J'avais déjà gueulé sur Antoine qui a mis Farandole, il parle en 3ème. Tu fais pareil, toi, tu mets le 6 alors que c'est des chevaux qui gagnent de loin, ça. T'en rends compte s'il arrivait à 6, 4, 10. Ah, en plus, le 4, c'était pas un bon favori. Oh là 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 là. Tu aurais dû l'avoir dans l'ordre, là. Ben, oh là là, mais si tu avais interverti. Ah ben non. Enfin, tu as mis mes 7 chevaux, t'as rien inventé. Ah oui, t'as rajouté des 2 belouettes. Ben oui, c'était mon regret, moi. C'est sûr que si j'avais. Parce qu'au départ aussi, après, quand je l'ai vu, mais après, je dis le 8, on n'a jamais vu. En plus, Aurélien démarre, ça va être compliqué. Mais on sait jamais, hein. C'est un débouleur, lui, il va très vite devant, mais il aurait pu garder une place. Peut-être que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Oui, parce qu'après, 1 plus 9, tu le fais pas. Hein. Ben, jusqu'à 1 plus 8, tu peux, mais après, c'est fini. Le 1 plus 7, c'est mythique. Et c'est comme les quartiers, quand je l'ai fait, les quartiers régionaux, quand je fais 1 plus 5 ou 1 plus 6, je vais pas plus loin, hein. Oui, t'as rajouté le 8, c'était pas con. Et quand j'ai vu le blessure, là, tu hésites, le 8 die au départ. Après, t'étais tranquille et t'arrivais plus rien. 800, alors 613 pour moi. 872 pour Michel U. Pourquoi ta vidéo trop longue, Fred, tu partiras pas à ta soirée, là. Quintet des autres pour Antoine B. Qui joue bien, Antoine, il joue peu, il avait déjà touché le quintet à Vichy. Et ouais, mais quand il y a des bases, là, c'est pareil encore. Il y a un bon quintet mardi à Vichy, mais bon, il va pas falloir que ce soit trop favori, hein, sinon c'est pas la peine de jouer, hein. Ben oui. Et tu les as bien choisis derrière. Ben ouais. T'as mis le seul qui est à l'arrivée derrière. Ben ouais, 6, 4, ça fait 10, hein, voilà. Ben tu as pris avec ton jeu 12 euros, hein. 493 euros. Trophée provisoire, je croyais l'avoir pour la journée. Et non. Le gagnant de pour Pierre H. Il a dit, bon, il y en a marre, là, Pierre. Pierre, il a dit, il y en a marre. 960 euros. Eh ben, tu as le trophée provisoire, Pierre. Et merci pour ton don. Hein. Je crois que c'est le seul don que j'ai reçu depuis 3 mois. Hein. Malgré tous les beaux tickets qu'il y a eu. Hein. Ah oui, plus il y a de tickets gagnants, moins j'ai de dons. Hein. Ouais, c'est ça. Puis il y en a qui sont réguliers. Bon, mais après, c'est toujours pareil. Il hein. Y en a qui sont radins, il y en a qui sont généreux. Wally, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est tous les gens qu'on rencontre tous les jours. Hein. Il y a des généreux, il y en a qui payent les tournées. Et puis, il y a toujours un mec un peu qui se cache, là, qui te paye jamais une tournée. Hein. On les connaît, ceux-là. Hein. Voilà, mais c'est un peu ça, quoi. Ben, c'est la vie, hein, mon site, hein, aussi. Hein. Ouais, c'est la vie. Qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, oui. Parce que 200 euros, tu vois, je sais pas quoi... Ah ouais, mais le tiercé, il a dû pas faire de prix. Mon Dieu, mais comment il a fait, le tiercé? Fred, qu'est-ce que tu fous là? Oh là 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 là, mais c'est pas vrai ça. Combien il a fait le tiercé? 669 euros. Mon Dieu, mais c'est pas vrai, tu veux pas le terminer ton lingot d'or. Hein, tu veux pas le finir. 1 plus 8, 56 euros. Mon Dieu, mais c'est pas possible. 800 euros, tout 56 euros joués. Oh là là, je suis terriblement énervé. Ça veut dire que pour mes 5 euros, j'aurais fait 2 fois. Tu pouvais même le faire 3 fois, 4 fois. Pour 200 euros, tu prenais 3200 euros au tiercé. Terrible. Même le quartier des ordres est bien payé. Ouais, mais là, il n'y a pas les bonus. C'est dommage, hein. Ah ouais, non, mais c'est un rapport de fou, là. 300 euros, mais qu'est-ce qu'ils ont joué, les gens? Parce qu'il n'y a pas Zantébride, parce qu'il n'y a pas Forbach qui est mort. Il n'a plus accéléré, oui, c'est ça, toute sa vie, c'est ça, maintenant, il avance plus, ouais, on le sait. Hein. Et en plus, c'est Rams, ah, il est à 5 contre 1, oulala, il valait mieux qu'il rentre avec de la Genevière, alors, ouais, finalement, ouais, ouais. Et ouais, Ezimadza, vit dans le groupe de tête, d'abord à l'abri, puis né au vent. Eh oui, les 2/3 du parcours, ah, ils savent comment faire, hein. Ah oui, 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 ils savent comment faire, hein. Mais moi, je rêvais que d'un truc, hein. C'était Eberton en tête, loin devant, et lui, dit. Non, pas loin devant, et Ezimadza dans son dos. Je pensais que ça était ça à l'arrivée. Et quand j'ai vu Ezimadza, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Comme souvent, hein. Ouais. Les 2/3 du parcours, et encore, il aurait dû même finir pas à l'arrivée. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Après, on te demande des bases, toi. Est-ce que je sais comment les mecs vont les driver, moi? Est-ce que je sais si le driver, il a pas joué Eberton, hein? Parce que 4,80€, tu pouvais mettre 1000 euros, là. Là, tu pouvais mettre, hein. T'as pas d'émotion, hein. Ça gagne de bout en bout, et c'est déclassé, hein. Non, il a sur sa perf en plus à Vincennes. Pouf. Quoi, sur sa perf là, oh, il avait trotté combien là? Une 13-1 à Vincennes. Oh là 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 là. Ouais, Flash Gordon derrière DF en plus. Est-ce qu'il y avait DF au départ là? Ah non, bah c'est... Oh, il y avait Forbach quoi. Et quelques étrangers. Bon, mais bravo les gars, hein, ça fait plaisir. Eh bien, toujours un début de mois, c'est toujours pareil. Hein. Alors si vous abonnez, en plus j'ai pas reçu. Peut-être qu'il y en a eu des nouveaux. Non, non, mais tous ceux qui sont abonnés, je les ai déjà vus. C'est pas des nouveaux.
Donc il n'y a pas eu de nouveau. Ouais, parce que s'il y a un nouveau, hein, quand vous abonnez, vous avez mon mail. Hein, et vous pouvez m'écrire, Fred, tu peux mettre de moi, j'ai envie d'apprendre. Non, je n'ai pas reçu ça encore. Bravo, hein, c'est exceptionnel aujourd'hui. Mais il aurait pu avoir beaucoup de silos gagnés. Hein. Oh, qu'est-ce que je vais marronner, ben, je vais boire ce soir pour oublier ce jeu que j'ai oublié de faire. C'est terrible. Hein. Ben, c'est terrible. Terrible d'avoir raté 8 ou 10 silos pour un jeu tout fait. Hein. Là, il vaut mieux d'en faire un dans sa vie, tu fais celui-là, et puis c'est bon, basta. Hein. Et ouais, parce que des occasions comme ça, je l'aurais plus. Hein. Et ça arrive une fois dans l'année, et encore des fois, on l'a pas, cette occasion. Hein. Bon, allez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que... Non, je vais mettre une heure, ouais, je vais arriver tard à la soirée, ben, tant pis. Hein. Je suis obligé, parce que demain, je pourrais pas la faire, ni lundi d'ailleurs. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.